qui passez par là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction qui nous permet de recevoir des retours écrits de nos requêtes vocales. Démonstration. Quel temps fait-il ? En ce moment, il fait 22 degrés avec un ciel principalement dégagé. Selon les prévisions, aujourd'hui, il y aura des averses avec une température maximale prévue à 22 degrés et une température minimale à 8 degrés. Envoyez à mon téléphone. Voilà, c'est sur votre téléphone. Donc, il vous suffit maintenant de cliquer sur la notification et vous vous retrouvez avec l'ensemble des informations. Quelle est la recette du Saint-Honoré ? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Le site atelierdeschefs.fr contient l'information suivante. Détailler 6 disques de pâte feuilletée de 12 cm de diamètre, puis cuire au four pendant 20 minutes pour la maintenir fine. Couper le beurre en petits morceaux, puis le mettre dans le lait bouillant avec une pincée de sel et le sucre. Ajoutez en une fois la farine et remuez vivement avec une cuillère en bois. Envoyez à mon téléphone. Voilà, c'est sur votre téléphone. On a la possibilité de retrouver la requête demandée sur l'application Home au niveau de l'accueil. Il nous suffira tout simplement de cliquer après dessus pour avoir plus de détails. Pour que cela fonctionne au mieux, vous devez vérifier les points suivants. Vérifiez que votre compte Google est bien connecté au même compte que votre Google Home en allant sur l'application Home, en haut à gauche, et tout en haut, vous sélectionnez votre compte. Ensuite, il va falloir aller sur Plus de paramètres, sélectionner votre appareil et activer les résultats personnalisés, ainsi que les notifications. Retour en arrière et avoir enregistré votre voix dans VoiceMatch. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!